Allez, on enchaîne depuis le salon des services à la personne sur WeDoBiz en partenariat avec la FESP. J'ai le plaisir d'avoir face à moi un entrepreneur, Jean-Paul Chauvet. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul Chauvet, vous êtes créateur de l'entreprise Les Compagnons des Jardins. Alors, sur le salon des services à la personne, j'ai une vague idée quand même de ce que vous faites. A priori, vous êtes dans le jardinage, j'ai l'impression. Oui, on fait de l'entretien de jardin chez les particuliers de la région grenobloise. J'ai démarré tout seul en 93, créé l'entreprise en 97. Et depuis, avec toutes les difficultés liées au développement de l'entreprise, mais avec, j'ai suivi toute l'actualité et l'historique du service à la personne, puisque je suis membre du conseil d'administration du syndicat des entreprises de service à la personne depuis 1999. Donc je suis un historique, voilà, pas hystérique, mais historique. Et peut-être un historien qui nous fera l'histoire du service à la personne. Oh oui, je pourrais, oui. Alors, on n'a que 3 minutes, hein, malheureusement, vous allez D'accord. voir, ça va défiler. Ça représente aujourd'hui combien de clients, combien d'employés ? Eh bien, les Compagnons du Jardin, ça restait une petite structure, mais on a une particularité, comme j'étais un entrepreneur social au démarrage, donc j'ai très peu de turnover, j'ai quasiment la même équipe. Hein, ça fait 15 ans qu'on existe, puisque 97-2014, oui, ça fait, si je compte bien, même plus. Hein, ça fait 17 ans. Et le turnover, c'est 10 ans. Donc actuellement, l'équipe, il y a une dizaine de personnes qui me suivent entre 10 ans et 5 ans. D'accord. J'ai actuellement environ 360 clients. Sur les 360 clients, j'ai le premier client que j'ai fait en 1993. Qui est toujours là. Qui est toujours chez nous. C'est le gage de qualité. On a 120 clients qui sont là depuis plus de 10 ans, 120 qui sont entre 10 et 5 et 120 entre 5 et 0. Jean-Paul Chauvet, des projets de développement ? Oui, effectivement, on pourrait dire que 20 ans, c'est un petit peu long. Mais comme j'ai démarré de zéro, on pourrait dire aujourd'hui que à défaut d'être une start-up, je suis une slow-up. Donc j'ai construit pendant ces 20 dernières années tout un réseau de connaissances qui sont quasiment devenues des amitiés. Hein, y a des gens avec qui j'ai démarré en 97 qui ont beaucoup développé, qui ont vendu et qui sont pour certains prêts à s'investir avec moi pour développer les Compagnons des Jardins. C'est-à-dire quand on parle de projet de développement, c'est développer dans d'autres régions de France et développer de nouveaux services. Il y a plusieurs directions. Il y a développer dans plusieurs régions de France et même développer tout d'abord autour de chez nous, ouais. Puisque le potentiel est énorme et on pourrait à peu près créer sur l'ensemble de la France à peu près 300 structures de 7 à 8 personnes, ce qui est pas rien pour l'emploi et ce qui est pas rien pour l'entreprise si elle trouve les moyens pour se développer. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous, Jean-Paul Chauvet. Je le rappelle, créateur de l'entreprise Les Compagnons des Jardins. C'est cela. Une sacrée slow-up. Voilà. Merci à vous. Merci.